Ce crâne est en train de révolutionner la recherche scientifique et ébranler les certitudes sur l'évolution humaine. Le fossile, vieux d'1,8 million d'années, découvert il y a 8 ans à Dmanisi en Géorgie, a livré ses secrets et prouverait que nos ancêtres formaient une seule espèce. Pour les scientifiques, cela signifie que nous devons changer notre perspective. Au lieu de prétendre que 5 espèces différentes existaient il y a 2 millions d'années, nous devons prétendre qu'il n'y avait qu'une espèce avec différentes variations. Ce crâne, qui appartiendrait à un mâle, est l'ancêtre le plus ancien de l'homme découvert hors d'Afrique. Il est bien préservé, ce qui fait dire à d'autres chercheurs sceptiques qu'il pourrait appartenir à une nouvelle espèce d'hominidée. En tout cas, avec son cerveau 3 fois plus petit que le nôtre, il fait réfléchir bien des scientifiques.